Bonjour, bonjour, c'est la même Bichelet. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Une vidéo en Skywars, mais cette fois-ci, le petit défi qui m'a été proposé par un abonné. Donc, il me semble que c'est Maspero King, si c'est ça, ton pseudo. Donc, le message s'affiche sur votre écran normalement si j'ai pas à prendre le screen. Du coup, le défi d'aujourd'hui, ça va être de gagner en Skywars Insane, mais en no stuff. Donc, voilà, le défi est clairement chaud. C'est-à-dire que même quand il me l'a donné, j'ai fait. Ouais. D'accord. Du coup, bah, les mecs, c'est parti. Donc voilà, on se retrouve. Donc, hop, c'est parti. Ce qu'on va faire, c'est que comme on n'a pas besoin de stuff, qu'est-ce qu'on pourrait prendre? Ah non, je sais. On va essayer de rush. Et franchement, j'ai même pas élaboré de stratégie. Hein. Je viens juste de penser à un truc maintenant. On va essayer de prendre la knockback 10, donc qui est au centre. Je pense que c'est l'un des meilleurs moyens qu'on a de gagner. Ouais. On va tenter de faire ça. Parce que c'est vrai que ça va être chaud sinon. Ça va être chaud de ouf. Donc, ce qu'on va faire, c'est hop, ça. On va monter. Bon, y avait ceux d'en bas que j'aurais pu prendre, certes. Mais. Je fais confiance à ces deux-là. Allez, allez, s'il vous plaît, je demande pas grand-chose. Hop, oh la petite épée. Oh putain, les mecs, on avait du stuff de fou. On a vu du stuff de fou. Est-ce qu'il y a des gens? Non, encore. Lui va bientôt venir. Donc, aïe, nique sa mère, je me suis enculé les genoux. Les genoux. Enfin, les jambes, quoi, tu m'as compris. Allez, donne-moi une knockback 10, je m'en fous de ça. Oh, ça par contre la Fire Aspect, je la laisse pas dans un coffre. Allez, hop, j'ai voulu faire du forcing. Maintenant, là je me casse parce que là sinon, là je vais prendre trop tarif. Je vais prendre trop cher. Oh putain, là déjà. Voilà, heureusement qu'on a pas mal de pommes en or. Bon, on va plutôt faire comme ça. Donc c'est assez chaud, hein. Ah, donc on va pas camper, on va éviter de camper parce qu'il vous faut quand même un beau gameplay, hein, tu vas me dire. Mais c'est vrai qu'on va se la jouer bah moins bourrin que d'habitude, tu vois. On va se la jouer un peu moins bourrin que d'habitude, on va essayer de se la faire vraiment genre assez stratège. Genre on va sneak et dès qu'on va le voir passer le pont, ce fils de chien. Voilà, donc là pour ma part je pense qu'on est bien positionné. On est en haut de la tour. Lui, je sais pas combien d'œufs lui. Donc pour l'instant, les no stuff. Il a. Putain, il l'a cet enculé. Yes, normalement je l'ai. Yes, putain, les mecs, on l'a eu. Oh, il y aura. Oh putain, les mecs, on va réussir. Oh putain, les mecs. Les mecs. Les mecs, lui faut pas louper là, ce fils de chien. Les mecs, on le snowball. Allez. Allez les mecs. Do it. Yes, 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 yes. Oui. Et en plus on finit meilleur en classement des kills. Oh, voilà les mecs. C'est le premier essai, je vous jure, j'ai pas mis, j'ai mis qu'un essai à le faire. Donc, oh putain de sa mère, regardez, hop, il est là. Je lui envoie le message tout de suite. Maspero King, j'ai réussi du premier coup. Oh putain, yes les mecs! Du coup, ah merde, nique sa mère, MCGF j'ai mis, putain merde. Oh putain de merde! Les mecs, c'est le premier essai! Je me suis dit putain, je vais mettre 50 essais à le faire, c'était fini de merde, mais non! Putain de merde! Du coup, les mecs, j'espère que ce défi vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à bombarder la barre de like et surtout à partager la vidéo avec vos potes. Bon, c'était moi, j'ai plus qu'à vous dire bah merci! Merci pour vos défis, continuez à proposer vos défis en commentaire, c'était la mamie de Bislit. Ciao!